Payot. Et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter Bleu, histoire d'une couleur de Michel Pastoureau aux éditions Point. Nous en discutons à Genève avec Océane Bouchot de Payot Libraire. Alors, les livres de Michel Pastoureau ont ça de passionnant qui vont questionner un aspect de la vie quotidienne auquel on ne va pas forcément accorder de l'importance habituellement, c'est-à-dire la place de la couleur au sein de notre vie quotidienne, donc que ce soit dans la bulle privée, dans l'espace public ou même dans l'imaginaire collectif. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la couleur bleue va être soit connotée politiquement, des fois religieusement, ou totalement neutre. Elle va être la couleur préférée de beaucoup de gens, dont la mienne. Elle va être utilisée en marketing, en médecine. C'est une couleur qui rassure, une couleur qui réunit. Mais on va voir que ça n'a pas toujours été le cas et que c'est une couleur très controversée. Qu'au fil des millénaires, l'usage de la couleur de manière générale est souvent soumise à des contraintes chimiques, qu'il a été très difficile de teindre en bleu pendant très longtemps, ce qui peut expliquer en partie pourquoi est-ce que pendant très longtemps la couleur bleue a été un peu mise sur le côté avant d'exploser et de venir vraiment sur le devant de la scène. Et donc Michel Pastoureau a vraiment une manière très particulière, une manière passionnante de parler de la couleur et de l'inscrire vraiment dans un contexte social. C'est presque comme un roman en fait, tellement on est plongé dans cette aventure. Et est-ce qu'on a des indications sur les autres couleurs du coup ? Alors oui, mais en fait celui-ci est dédié au bleu et Michel Pastoureau va dire on ne peut pas englober toute l'histoire de la couleur bleue. Sans parler des autres couleurs, mais il dédie d'autres livres spécifiquement aux autres couleurs, en fait. Merci beaucoup. La couleur n'est pas tant un phénomène naturel qu'une construction culturelle complexe, rebelle à toute généralisation, sinon à toute analyse. La couleur est d'abord un fait de société. C'était Bleu, histoire d'une couleur, de Michel Pastoureau pour Marque Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page.